Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis revenu sur l'électricité parce que bon, faut bien que l'électricité avance aussi. Hein. Et donc, toute ma problématique d'électricité, c'est d'arriver à refaire tout le circuit électrique tout en déplaçant à l'intérieur, en faisant la configuration du camping-car. Donc, ce qui tombait avant au niveau électrique à certains endroits, comme la cuisine qui était d'un côté, et du coup, elle est basculée de l'autre côté. Donc, il faut ramener toute l'électricité de la cuisine de l'autre côté du camping-car. Donc, voilà, et puis, il a été refait à partir du plancher. Donc, comme je disais dans une vidéo, tous les fils ont été descendus en bas du camping-car. Donc maintenant, faut tout remonter pour tout rebrancher. Donc, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Ouah, le ménage a été fait. Et tu fais quoi? Et je rien. J'essaie de tester la batterie. Ah mais si tu cours dans tous les sens, je vais pas réussir à te suivre. Oui, mais si je cours pas, j'ai pas réussi à travailler. Ah mince. Oups. Je vois rien. Je la branche juste provisoirement pour tester mes fils derrière. C'est l'autre batterie qui est dessus. Donc j'ai commencé par ça. Mon smile. Tu veux que je chante pour masquer le bruit de la pluie, ouais. Ah mais j'ai des classiques un peu vieillots quand même, hein, donc si je te chante il pleut bergère, non tu, je suis pas bien sûr que. Puis je vais te déconcentrer. Je suis sérieux.
Ça marche quand même. Népomer. Sérieux? Pas de bruit. En même temps, ça fouille. Hein. Avoir réussi à trouver tous mes fils. J'ai relié tous mes fusibles qui sont là. J'ai réussi à peu près à tout repérer, ce qui était la lumière, ce qui était le réfrigérateur, les prises 12 volts. Enfin voilà. Je pense que j'ai réussi à peu près à retrouver tous les fils. Pourquoi à peu près? Il y en a encore qui se promènent, donc voilà. J'en ai encore sur le camping-car, mais je pense savoir ce que c'est. Ça va être le fil de niveau des eaux grises. Mais j'ai pas encore branché, donc je dis pour ça, je dis à peu près. Tant que je sais pas brancher, tant que je m'avance pas trop. Voilà. Le 220 est passé, ça fonctionne. Le 12 volts pour l'éclairage est passé. Voilà. Donc là, il va y avoir des petits spots intégrés directement dans le plafond. Tant qu'on y est, autant faire bien. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai toute ma partie électricité du frigo qui est branchée aussi au niveau du 220, du 12 volts. Bah ça a bien avancé quand même. Voilà. Bon après il n'y a plus qu'à remettre ça correctement dans les gouttières et ainsi de suite. Hein. Mais bon pour le moment j'ai mes cloisons qui ne sont pas encore montées. Donc je vais monter les cloisons et bien positionner mes gouttières, passer mes fils. Voilà. Bon, ben je vous laisse découvrir après tout ça dans une future vidéo. Allez, salut à tous! Laissez-nous en commentaire des suggestions, des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos, on adore ça. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant.
On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.